Salut à tous, c'est Kiwi, on se retrouve pour la 21e vidéo de Saints Row 1. Alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ça vous plaît toujours autant. Mais avant de commencer les missions secondaires, j'ai un petit message pour CG de la part de Boss. Alors Boss, c'est le seul surnom que le protagoniste de la série Saints Row obtient au fil des épisodes, car il finit par devenir vraiment le taulier de toute une organisation. Mais vous verrez son évolution petit à petit dans les épisodes suivants aussi. Donc message pour CG qui est actuellement dirigé par Com Getsom dans son let's play sur GTA San Andreas. CG, si t'es un bonhomme, si t'es un vrai, je vais te demander de te tatouer entièrement le corps. Donc pas de te mettre en sous-vêtements comme je viens de le faire, mais de te tatouer au maximum toutes les parties du corps qui sont tatouables. Donc moi, de mon côté, sur Saints Row 1, voilà, comme tu peux le voir, j'ai mis en japonais sur mon torse. J'ai mis liberté. Dans mon dos, j'ai un gros dragon. Voilà. Sur mon épaule gauche, j'ai une tête de mort. Un Uzi sur l'avant-bras gauche. L'avant-bras droit, on a des flammes qui partent du poignet. Un dragon sur l'épaule droite. Un scorpion sur la jambe droite. Et un tribal sur la jambe gauche. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je me suis mis un peu plus à l'aise pour les missions secondaires. On s'est mis un peu à la cool. Donc voilà, donc CG, défi pour toi. Tatoue-toi le corps hein, entièrement. Et montre-nous ça dans une de tes prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors je tiens à rectifier quelque chose que j'ai dit dans une vidéo précédente. Je vous ai dit que les missions secondaires ne nous apportaient strictement rien, mais c'est complètement faux, hein. En fin de compte, elles apportent quelques trucs bonus et on les verra peut-être, ou si j'arrive pas à les faire, je vous dirai ce que c'était censé m'apporter petit à petit. Donc aujourd'hui, on va retourner faire quelques courses parce que je le sens bien. Je sens l'âme d'un pilote en moi. On va pas prendre cette voiture-là. Celle-là me plaît, mais je veux la réparer avant. Ça c'est réglé. Voilà, hop, et celle-là je la répare aussi. Voilà, je prends celle-là. Je vais me diriger vers la prochaine course, qui est exactement là. On n'est pas très loin. C'est parti. Alors je vous cache pas, j'avais commencé à faire les activités tueur à gages lors d'un enregistrement, mais malheureusement j'ai tourné en rond pendant plus de 25 minutes pour trouver une cible qui ne popait pas. Qu'on s'occupera de ça un peu plus tard. Ou peut-être si on en croise aléatoirement, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, mais on cherchera nos cibles une prochaine fois parce que faire des vidéos de 50 minutes pour faire des cuts actuellement ça m'est un peu impossible vu l'état de ma connexion, ça prendrait beaucoup trop de temps. On va aller à l'essentiel pour le moment. Allez, c'est parti. Si jamais on croise une pervenche, une ASP, il y en a une du nom de Louise qu'il faut que je tue. Oh, il s'est passé quoi là? Ah, un bug d'affichage, ok. Il y en a une qu'il faut que je tue à coup de lance-roquette, oui, parce que pour chaque contrat, on a une arme prédéfinie. Ça, c'est plutôt cool. Et zut, ok, c'est bon. Voilà, on est juste à côté, c'est très bien. Allez. Allez, c'est parti. On y croit, ils sont en train de me mettre carotte là complètement. Alors là, sur cette course-là, il n'y a pas du tout de bidon à traverser, apparemment.
tenter de les mettre minables. Il faut juste suivre une trajectoire. C'est pas plus mal. Si je peux les doubler avec de la nitro, ça peut être pas mal ça. Un peu de nitro comme ça là, tac tac. Allez, accélère un peu mon gars. Il me colle au cul, hein. Il me colle au cul. Faut pas que je me foire là, faut pas que je rate le moindre virage. Allez, on y croit. On y croit. Ah, le camion. Ah putain, il me rattrape les mecs. Il me rattrape. Hein. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. C'est une bonne grosse ligne droite là. Rien de... Oh, mais c'est la ligne d'arrivée. Magique. Course 7, bravo. Et il y a un niveau 8 qui est juste à côté, c'est ça? Et pas du tout à côté. Du coup, on va pas y aller. On va aller faire une autre activité dans le coin, là. On va aller faire l'escorte. Activité escorte. Allez, mais pousse-toi, pousse-toi. Pas être très loin. Quelle heure il est dans la journée? Parce qu'en fonction de l'heure, on a une cible pas très loin là. 10h du matin, ouais, c'est un peu. C'est un peu tard. On a loupé le livreur qui était censé sortir de l'autoroute. Oula, excusez-moi, pardon, je n'ai pas fait exprès. On a loupé un livreur, c'est pas grave. Je regarde vite fait au cas où. On va reculer un peu. Si jamais le livreur se pointe, ce serait bien quand même que je le bute. Ah mais pousse-toi, pousse-toi. Non, il y a personne, allez, je me casse un peu, s'il y a la police. Ouais, c'est ça, ouais. Prends la voiture et va chercher le client. Allez, niveau 1 de cette activité d'escorte dans ce quartier. On y va. Le client est là. Mais c'est un peu des missions de taxi en fait. Hein. Ok, il faut que la jauge de plaisir augmente sans que la jauge de sans que la jauge d'image le rattrape. Oh, c'est pas facile. Ah, si, en fait, c'est simple. Pas très compliqué en fait. You feel great, baby. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Tranquille. Oh, les journalistes. Dépose le client. Allez, le client. Hop. Ouais, c'est ça. Escorte niveau 1, bravo. Allez, escorte niveau 2.
Ah là, on a deux camionnettes de journalistes. Deux camionnettes. Pas qu'il me rattrape. Je vais aller en ligne droite et faire un demi-tour. Un bon gros demi-tour quand j'arriverai au bout. Peut-être qu'ils vont pas me... Il se fait plaisir, le salaud, là. Il se fait plaisir. Quoi? Ils font des trucs cochons. Je comprends un petit peu, là, ce qui se passe. Et je peux vous dire que... C'est pas très propre, tout ça. Je crois qu'il lui en a mis dans l'œil. Enfin bref. Allez. On va déposer le client ici et on va chercher le prochain. Donc en fin de compte, à chaque niveau, on aura une camionnette supplémentaire, c'est ça? Voilà, donc niveau 2 effectué, on va chercher le troisième client. Le troisième client. Too slow. This is so exciting. Oh my god. On va y arriver comme ça, là. Ça peut le faire. On est un peu loin, quand même, des clients, là. Un peu loin. Mais où est-ce qu'on est, là? Oh, putain. Sérieusement? J'aurais pas pu le dire avant, ça. J'aurais fait un bon demi-tour, là. Je me retape tout le trajet que j'ai fait pour échapper au paparazzi, quoi. Hey, are you trying to kill us? Ouais, c'est ça. Je veux tuer tout le monde. What's the matter with you? C'est fini? Ah, on prend une autre fille. Ah, ok. On prend une autre fille. D'accord. Oh. Ok, c'est un plan. Je viens de comprendre. Thank God I'm photogenic. Ouh, la caméra de plaisir, elle monte pas très vite là. Pas bon ça, pas bon ça. Wow, so here we are. You sure you got your fucking license? To the left, please. You're doing great, baby. On va s'en sortir. Oh, les caméras viennent de partout là. If I wanted to get in an accident, I'd be driving myself while doing this. Ah, mais poussez-vous là. Now my fiancé is gonna want a three-way. Don't stop now, hun. I'm not ending up on some website. Ah, ce calvaire. Nibble a little. Come on. Is that what you want? Elle a une façon très sexy de le dire. Don't stop. Feels real, doesn't it? Heureusement que c'est pas que ça parle pas français. Yeah. Car je serais vite censuré, je pense. Harder. Photographers, don't let them near this car. Don't worry. Keep your eyes on the road, not the back seat. Oh, that was wonderful. Don't worry about it, hun. Happens to a lot of men. We should do this again sometime. Allez, client suivant. Va prendre ton client. Oh non.
non. Échec, j'ai roulé sur le client. Échec. Bon, c'est pas grave. On est à côté. On est à côté de quoi là? On est à côté d'un trafic de drogue. On va aller faire un petit peu de trafic de drogue. Allez, c'est pas grave, j'ai écrasé le client. Catastrophique, moi je vous le dis. N'importe quoi. Un trafic de drogue, il me semble qu'il faut qu'on protège. Il faut qu'on protège le dealer. Voilà, là, ici. Avec sa camionnette toute pourrie. Donc, j'ai pas les armes à l'infini, là. Ah, par contre, j'ai le pistolet de base. Illimité. Et ça, c'est cool. What we do? Siempre estoy listo para empezar mierda. Vous pouvez rentrer dans le camionnette ou pas? Ah oui, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Come on, this ain't shit. Allez, next. Je vais faire rentrer des membres de mon gang, hein, si ça te dérange pas trop. Je me sens rassuré comme ça un peu. Bon, allez, il se dépêche ou pas? On a fini le niveau 1, on passe au niveau 2. Ah, mais je crois qu'il retourne, chez lui en fait. Well, shit. Rim jobs can fix that up, no problem. Voilà. Allez, niveau 2. All right, kid. Show me what you got. On va jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tous les gangs nous entourent et nous massacrent. Je ne tire pas sur la camionnette là. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, ça va arriver. This is gonna be my son's best birthday ever. Transaction terminée. Toi, voilà. Je t'ai défoncé. Tu peux toujours crier, c'est trop tard. Allez. Deuxième affaire. Mais c'est un peu long, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas moi qui conduis, du coup c'est un peu tranquillou, quoi. Il roule à son rythme. God damn it. Ouais, c'est là que ça va se conclure ou pas? Ouais. C'est ici. Protège le dealer et l'acheteur. Marvin never lets a girl down. La vidéo du coup va bientôt s'arrêter. Ce qu'on va faire,
que je pense que je vais essayer un truc, quelque chose de nouveau. C'est que je vais tenter de faire les prochaines vidéos en live. Donc, je vous donnerai des rendez-vous. Les vidéos risquent de durer beaucoup plus longtemps, mais il me semble que sur mon boîtier d'acquisition qui me sert à faire les enregistrements, si je lance en live, la vidéo est directement sur YouTube. Donc ça peut être cool. Pour les quêtes annexes, vu que ça prend énormément de temps. Voilà, mais ça s'est réglé. Bon allez, il rentre chez lui, on le dépose et on arrête là. On se retrouvera dans la vidéo 22. Ouais. Ok. On dit que je suis un conducteur fou, mais c'est totalement faux, hein. En pleine tête. Trafic de drogue niveau 2, bravo. J'ai de l'argent, mais malheureusement, on arrête là l'activité. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et j'ai ramassé quoi là? De la bouffe. Bon, ben sur ce, on va se dire au revoir. Et à la prochaine vidéo. Allez. Salut à tous.